بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon de vocabulaire avec les 5 MAP. La leçon, elle part sur les composants du corps. يعني مكونات جسم الحيوان. Alors, on a fait la gazelle dans le projet 1, séquence 1. Alors, la gazelle. Alors, on a parlé un petit peu sur la gazelle. C'est un animal sauvage, herbivore. La gazelle, donc je remplace le nom de la gazelle par le pronom personnel, elle, parce que c'est un nom féminin. Alors, la gazelle est un animal sauvage et herbivore. Bien sûr, mammifère, yani min al-thadiyat aw al-hayawanat al-walouda. Alors, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas, c'est-à-dire la production écrite, c'est beaucoup plus les composants du corps. Mukawinat jism al-gazelle. Alors, ici, vous avez deux cornes, yani qarnain, deux cornes. Alors, l'élève écrit le mot correctement, c'est-à-dire il écrit sans faute. Alors, corne, ça s'écrit avec la lettre C. Alors, c'est-à-dire la lettre K, mais on a la lettre, c'est la lettre C, et ce n'est pas la lettre K, ni la lettre, ni le Q ou bien le Q. Alors, corne. Alors, là, on donne ces mots aux élèves sur les ardoises, des fautes au jour de l'examen ou le jour de la production écrite. Alors là, beaucoup plus, c'est-à-dire on parle un petit peu sur les fautes orthographiques. Yani bach ma ykounouch hna akhta imlaiya. Andi le franc. Le franc, F-R-O-N-T. Le franc, c'est Al-Jabin. Vous avez le museau. Alors la portée, la partie à la bouche et le nez, on appelle ça le museau. Museau. E-A-U à la fin se prononce O. Vous avez le dos, Ad-Dahr. Vous avez une queue, ou bien la queue, c'est un nom féminin. Donc la queue, c'est Ad-Dayl. Vous avez aussi le ventre, Al-Batn. Vous avez les pattes. Alors ici, on a les pattes. Vous avez quatre pattes. Alors la gazelle, ou bien l'hayawanat, bisifa'ama, l'hayawanat, la titemchi ala arba, ils ont quatre pattes. Alors les pattes de la gazelle, elles sont fines, raqiqa. Voilà. Alors, vous avez ici les sabots. Alors, les griffes, les adafers, ils ont généralement des sabots, comme le mouton, comme la chèvre, comme la vache, etc. Donc, ils ont des sabots. Voilà. Vous avez le poitrail. Alors, le poitrail, il y a un sadr. Le poitrail. Et ici, on a le cou. Alors, on a des raqabas. C'est le cou. Et ça, c'est le poitrail. Donc, le poitrail, un sadr, ou le cou, un raqabas. On a des composants du corps. De la gazelle. Alors, la gazelle, vous avez deux cornes, deux oreilles, deux petites oreilles, ou bien deux oreilles. Vous avez le front, le museau, le dos, une queue, ou bien la queue, le ventre, al-batn, les pattes, quatre pattes. Donc, ça, c'est les pattes. Nous avons aussi les sabots, donc, les sabots, et vous avez le poitrail, donc, c'est as-sadr. Ou on a dit le cou à raqaba. Le cou à raqaba. Alors aujourd'hui, on a fait les composants du corps de la gazelle. Alors à chaque fois, on va faire des composants du corps, c'est-à-dire de chaque animal, soit un animal sauvage ou un animal domestique. Alors voilà, merci pour les commentaires, pour les j'aime. Voilà, merci et au revoir.